aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Pour l'instant vous ne voyez pas Mélie, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, elle va arriver. C'est juste que c'est toujours une aussi grosse acheteuse, voire pire qu'avant. Et moi j'ai nettement moins acheté. J'ai genre 7 livres et elle en a presque 30, voire plus. Je suis pas sûre de son compte pour l'instant. Elle m'a donné un chiffre mais je sais qu'elle en a rajouté après. Donc voilà. Et donc du coup on filme séparément et vous aurez d'abord ma partie puis la sienne ensuite. Sur Instagram et dans nos précédentes vidéos YouTube, Mélie a pas arrêté de vous en parler, à quel point elle a adoré cette lecture. Elle a même lu le deuxième tome et elle va pas tarder à lire le troisième tome. Pour elle, c'est pas loin du coup de cœur. Voir un coup de cœur, je ne sais pas exactement. Et du coup, elle m'en a tellement bien parlé que j'ai fini par l'acheter. Il s'agit de Rebel of the Sands. Donc c'est le tome 1 de Rebel du désert, paru en français. Moi, je l'ai acheté en anglais, puisque la langue a l'air largement accessible. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas encore fini. C'est vrai que le début est vraiment très 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 bien. L'écriture est géniale, alors que d'habitude, l'écriture anglaise, étant donné que c'est pas ma langue maternelle, je remarque pas trop si elle est vraiment bien ou pas, j'essaie juste de comprendre. Mais là, j'ai vraiment saisi à quel point l'écriture est très bien, très drôle. Tout ce que j'aime dans des romans de fantasy. Mais arrivé au milieu, j'ai un peu de mal à avancer. C'est un peu moins bien qu'au début, donc voilà, je verrai plus tard comment ça va se passer. Ensuite, encore une fois sur les conseils de Mélie, mais cette fois c'était pas un roman qu'elle avait lu, c'est un roman qu'elle a remarqué sur les réseaux sociaux. Il s'agit de L'autre héritière de Lauren Vili. Alors cette fois-ci on n'est plus du tout dans la fantasy, on est plutôt dans une espèce de romance qui se passe en Angleterre au 20e siècle si je ne me trompe pas. On va suivre Rachel Woodley qui passe de jeune gouvernante sans famille et sans argent à héritière bâtarde d'une famille assez bien placée. Depuis le moment où je l'ai acheté, je l'ai lu et clairement c'est un coup de cœur. J'ai vraiment adoré, que ce soit de la plume qui est vraiment très drôle, que ce soit du personnage donc de Rachel et de son acolyte masculin qui forment un duo absolument incroyable. Ils se balancent des répliques de ouf en citant des œuvres littéraires ou des personnages qui font partie de la culture anglaise. Ça donne des dialogues de dingue, un peu difficiles à suivre, mais on s'y habitue rapidement. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça va, le book haul va tourner en présentation. Mais je vous en parlerai certainement dans une présentation parce que c'est vraiment un très très bon livre. Je l'avais acheté à Franche Loisir et j'en ai profité pour acheter une lecture piment toute douce qui s'appelle C'est toi le chat de Laura Trompette. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être une lecture drôle et tranquille et qui fait passer un bon moment. Je poursuis avec un manga, il s'agit du 13e tome de Kasane. Dans celui-ci, j'ai appris que le 14e tome serait le dernier. Kasane, c'est une saga que j'adore. Et par contre, ce 13e tome, je pense que je peux dire que c'est le tome que j'ai le moins aimé. Mais il ouvre des portes pour le 14e tome et dernier tome, évidemment. J'ai très hâte de savoir comment ça va se finir et de savoir exactement comment va évoluer Kasane et les autres personnages qui l'entourent. Je vais finir par mon dernier achat de l'année. Donc il faut savoir que en ce moment j'essaye d'acheter de moins en moins, en fait je retourne à la médiathèque et j'essaye d'acheter uniquement ce que je peux lire dans les prochaines semaines suivant mon achat, puisque bon vous l'aurez compris, les piles à lire c'est pas trop mon truc et j'en ai marre d'acheter et puis au final le livre il traîne dans une palle pendant 6 mois et après l'envie de le lire est passée et donc je le lirai pas forcément ou je serai obligée de le lire, mais avec plus en me forçant que par plaisir. Donc voilà pourquoi je n'ai que 7 livres à vous présenter en 2 mois. Et donc du coup mon dernier achat, il s'agit de 13 à table. C'est la 4e édition d'un rassemblement d'écrivains qui se fait afin d'aider les restaurants du cœur. Donc en fait le livre coûte 5 €. C'est un recueil de nouvelles de 13 auteurs. Et un livre acheté égale 4 repas distribués par les Restos du Cœur. Parmi les auteurs qui écrivent les nouvelles, il y a notamment Maxime Chatham et Karine Gibel cette année, qui font partie de mes auteurs favoris, donc forcément je ne l'achète pas uniquement pour faire une bonne action, mais également pour retrouver des nouvelles qui me feront passer un très bon moment et qui véhiculeront des valeurs très importantes. C'est pas juste des nouvelles comme ça, sans thème ni rien du tout. La thématique en général est censée tourner autour de la fête ou ce genre de choses.
et les auteurs en profitent pour faire passer des messages à travers des personnages qui n'ont pas forcément une vie facile ou ce genre de choses, et c'est toujours très intéressant de se mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie que soi. Les deux romans suivants sont des cadeaux de Noël, donc je ne les ai pas achetés. Et je suis très très contente de les avoir reçus, puisque j'avais donné une petite liste et ils faisaient partie des deux romans que je voulais vraiment beaucoup plus que les autres. Je vais commencer avec Le Chant des Ronces de Leif Bardugo. Donc c'est l'auteur de Six of Crows, que j'avais pas adoré plus que ça, surtout comparé à la majorité des gens. Mais j'avais reconnu le talent de l'auteur quand même à travers sa duologie. Et étant donné que celui-ci est un recueil de contes et que j'adore les recueils de contes, surtout faits par des auteurs de fantasy qui reprennent leur univers de saga et écrivent des contes que leurs personnages auraient pu lire, ça j'adore vraiment. Je me suis dit que même si ce n'était pas une de mes auteurs favorites, ça pourrait quand même être une très bonne lecture. Aussitôt déballé, j'ai commencé à le lire et actuellement je l'ai fini, et en effet j'ai adoré, c'est vraiment de très très beaux contes. Très différent des contes classiques qu'on se fait lire quand on est enfant ou ce genre de choses. Voilà, donc une très bonne découverte et je vous en parlerai certainement dans une présentation. Et enfin, j'ai reçu Écotopia. Donc là, c'est un livre complètement différent de ce qu'on a l'habitude de vous présenter. J'en avais entendu parler par Lemon June, la couverture est magnifique. Très très différente encore des couvertures qu'on a l'habitude de voir, mais je trouve ça trop beau. Un peu le toucher est... ressemble à un toucher de papier recyclé de bonne qualité, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et ça va parler d'écologie, donc voilà, c'est vraiment... j'ai pas l'habitude de lire des livres autour de ce thème, je crois que j'en ai même jamais lu. Donc j'en avais entendu parler par Lemon June, elle avait été très 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 emballée au début, ça m'avait donné envie d'écrire le livre, bon, et elle a relevé quand même certaines longueurs, enfin quelques... J'ai interprété ça comme étant des longueurs et peut-être des passages un peu trop expliqués. Bon, mais bon, évidemment, on comprend pourquoi. En fait, on va suivre un journaliste vivant aux États-Unis qui va aller faire un reportage sur des gens vivant à Écotopia. Et Écotopia, c'est une société qui s'est complètement scindée des États-Unis, on va dire, pour vivre en isolement total dans une société écologique. Ce journaliste ne croit pas du tout... dans la faisabilité de cette société, dans leur façon de vivre, et donc il va aller là-bas et il va découvrir des choses, et j'imagine qu'il va changer son point de vue. C'est toutes ces techniques pour vivre dans l'isolement complet, mais tout en respectant la planète, qui font qu'il y a certaines longueurs, puisque l'auteur se penche sur le côté scientifique et faisable de la chose. Je verrai quand je l'aurai lu, peut-être que ça va me plaire ou peut-être pas du tout, peut-être que ma lecture sera difficile, mais que les informations dans ce livre seront quand même très intéressantes, je verrai bien. Et je pense que je ferai des vidéos spéciales autour de la lecture de ce livre. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, parce que je ne suis pas sûre à 100% de vraiment pouvoir faire ce que je veux faire. On verra bien. Voilà, j'ai fini de vous présenter les 7 livres que j'ai achetés ou que j'ai reçus pendant ces 2 mois. Je vais laisser Mélie vous présenter le nombre incroyable de livres qu'elle a achetés. Bonjour à tous, je reprends la suite après Mélo, elle vous a expliqué pourquoi on faisait comme ça. Et bien en particulier parce que je suis une grosse acheteuse compulsive, je pense, et que du coup j'ai énormément de choses à vous présenter. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que j'ai fait la liste sur mon téléphone pour être sûre de ne rien oublier, parce que comme vous le savez, certains livres ont déjà fait le voyage retour jusqu'en France, d'autres sont arrivés, sont repartis. Comme à mon habitude, j'ai fait des catégories, ça permet d'organiser les choses et de savoir par où commencer. Et du coup, je vais commencer par les livres que j'ai achetés en octobre en France et qui ne font pas partie du book haul du mois d'octobre, puisque on l'avait tourné avant que je ne rentre en France. Donc... il s'agit d'un livre qui a fait le retour cet hiver avec Le Parfum de la Trahison, le tome 2 de La Couleur du Mensonge. Donc je vous mettrai des petites images là quand je ne les ai pas avec moi. Et bien qui était une très très belle lecture, on vous a fait une comparaison et effectivement c'était très bien. Et le deuxième livre que j'ai acheté, j'ai complètement craqué, hein. Vous avez dû le voir passer sur Instagram à cette période là. Il s'agit de La Cuisine des Sorciers, qui est tout simplement un livre de recettes. Alors oui, j'ai complètement craqué pour la couverture, mais aussi
si j'arrive à vous trouver des images. Voilà, pour les images, c'est un livre qui recense des recettes autour de différents univers, alors pas forcément des recettes originales qui viennent de ces univers, mais en tout cas qui ont été écrites avec une imitation de la plume des auteurs. Donc il y a par exemple la recette des lambas de Lord of the Ring. Il y a plusieurs recettes qui viennent de la trilogie de Bartimus. Alors vous savez, comme cette trilogie est chère à mon cœur, donc forcément je ne pouvais pas résister. Il y a 32 univers de Harry Potter en passant par le Roi Lion. Il y a le Paris des Merveilles de Pierre Pével qui est représenté également là-dedans. Donc comment vous dire, pour moi c'était l'incontournable. Je sais que un autre livre est sorti et il s'agit, alors je pense qu'il est sorti cette année, cet automne peut-être, je l'ai mis en librairie au même moment, et il s'agit d'un recueil beaucoup plus tourné vers la pâtisserie. Il y a quelques pâtisseries là-dedans d'ailleurs, j'ai déjà testé quelques recettes et je ne suis pas déçue, même si certaines manquent un peu de précision puisque finalement l'écriture est vraiment très enjolivée, on va dire. C'est pas du tout une recette bien bien cadrée, mais voilà, j'adore. Si vous avez l'occasion d'aller lire quelques passages, n'hésitez pas, je vais peut-être vous en lire un juste pour rire. Donc par exemple le sandwich au concombre, vraiment basique comme recette, qui nous vient de la trilogie de Bartimus. Salez les tranches de concombre, placez-les dans une passoire posée dans l'évier et laissez-les y rendre leur eau durant 15 minutes, le temps de remettre à sa place le djinn indiscipliné qui commente irrespectueusement l'addiction des magiciens britanniques au sandwich au concombre. Ça fait tellement Jonathan Stroud que je suis voilà tombée sous le charme. Pour que vous sachiez, j'ai testé le sauté d'hippogriffe, c'était super bon, voilà. Donc j'en suis très contente, on a déjà testé je pense 4-5 recettes qui sont vraiment très très cool, donc vraiment un achat dont je suis super contente et ouais, j'ai complètement craqué. Je suis retournée dans les librairies de Dublin bien sûr et j'ai acheté avec mon amie Léa le premier tome de Rebel of the Sound, donc Rebelle du désert en français, que je suis très 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 contente d'avoir découvert en VO parce qu'il ne me faisait pas du tout envie en français, voilà, la couverture tout simplement. Alors que la couverture VO, je ne pouvais que tomber sur le charme, on a carrément craqué pour la couverture, hein, ça c'est sûr. Je ne vous en ai pas encore parlé, ou alors très brièvement, je ne sais pas quand. C'est une lecture que j'ai adorée. On vous fera une comparaison avec Mello puisqu'elle l'a lu aussi, alors je crois qu'elle l'a pas encore fini, donc peut-être qu'on vous fera une comparaison, peut-être pas, mais voilà, pour moi une superbe lecture de l'année 2018. Ce livre là est déjà retourné en France, en revanche j'ai gardé les livres que j'ai achetés d'occasion chez Chapters, et il s'agit de Golden Sun et Morningstar, donc le tome 2 et le tome 3 de la saga Red Rising que j'ai commencé cette année. J'ai tellement bien aimé le premier tome que quand j'ai trouvé ces deux là, alors je ne sais plus exactement combien je les ai payés, voilà, à 5€ chacun, et bah j'y suis allée. Alors par contre ils sont pas en super état, hein, la tranche est vraiment très très marquée, mais à part ça ils sentent pas la cigarette donc c'est déjà ça. Dans le même magasin et au même moment, j'ai acheté Court of Mist and Fury parce que, eh ben, vous le savez, j'ai lu le premier tome en anglais l'année dernière ou il y a 2 ans. Je me suis dit, le trouver comme ça en seconde main, c'est l'occasion de poursuivre la saga parce que j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément convaincus par le premier tome mais qui avaient adoré le deuxième. Je me suis dit, on va peut-être lui laisser sa chance. En VO ça peut pas faire de mal de toute façon. Alors par contre c'est vraiment une grosse brique, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais prendre le temps de le lire, et comme les deux autres il est vraiment très marqué sur la tranche, mais bon. Et je pense que je vous l'avais présenté dans le premier book haul, un des livres que j'avais acheté en arrivant ici, je l'avais trouvé à 1€, c'était le deuxième tome du Nom du Vent de Patrick Rothfuss. Je ne sais pas comment on dit, que j'avais trouvé dans cette édition là qui est juste sublime, et donc du coup eh ben, j'ai acheté le premier tome, hein, parce que c'est toujours plus facile de commencer par le début. Celui là par contre il est vraiment en super état pour un livre que j'ai payé 5€, donc je suis très contente. C'est une grosse brique mais on me l'a tellement conseillé qu'il va bien falloir que je me lance à un moment donné. Après avoir lu Rebelle du désert, il me fallait la suite très très vite. J'avais aussi d'autres livres que je comptais acheter et donc du coup j'ai fait une commande Amazon, puisque sur Amazon les livres sont encore moins chers qu'en librairie et que ceux-là j'étais pas sûre de les trouver d'occasion. Donc du coup allons-y, allons-y. Bien sûr
Comme je vous l'ai dit, il me fallait la suite de Rebelles du désert, donc du coup j'ai acheté le tome 2 qui est déjà lu, pareil en lecture commune avec Léa, qui est déjà en France, et forcément le tome 3, Hero at the Fall. On a toutes les deux adoré le tome 2, donc dès que Léa a le troisième tome sous la main, on se lance. Je suis super contente de l'avoir déjà, et il est tellement tellement beau. Franchement cette saga, je suis tellement tellement heureuse de l'avoir en VO, elle est juste magnifique. Avec ça, il me fallait la suite de Alice de Christina Henry, et donc j'ai pris Red Queen de Christina Henry. Donc voilà, c'est un deuxième tome, il est tout court, il est tout beau, je suis super contente. Je pensais avoir le temps de le lire avant la fin de 2018, ce ne sera pas le cas, mais ce sera une très belle lecture pour janvier 2019, j'en suis quasiment sûre. Et comme vous le savez ou pas, j'aime aussi beaucoup Peter Pan, du coup j'ai pris The Lost Boy de Christina Henry encore. J'ai vraiment très envie de savoir ce qu'elle a pu faire avec, parce que en fait elle a créé un univers vraiment glauque et sombre autour de Alice. Et Peter Pan, ce que j'en connais, alors je n'ai pas lu l'original, j'ai lu en revanche ce qu'en a fait Loisel, donc la bande dessinée Peter Pan, qui déjà m'a, comment dire, présenter l'univers de Loisel, que j'ai adoré. Voilà, c'est des planches que j'adore. C'est très très sombre, très très glauque, mais j'ai adoré ce qu'il a fait autour de Peter Pan. Du coup j'ai lu La quête de l'oiseau du temps, que j'ai adoré aussi. Et là je viens de commander, donc vous le verrez dans le bocal suivant, sa BD Le Grand Mort, parce que une de mes cousines l'a reçue pour Noël, le tome 2. Je suis tombée là-dessus, je fais oh un Loisel, oh les planches sont trop belles, oh l'histoire a l'air ouf. Du coup j'ai commandé dès que je suis arrivée ici. Bref, vous verrez ça plus tard. Mais voilà, donc le Peter Pan de Loisel que j'ai adoré. J'ai vu la version Disney bien sûr, j'ai dû voir un film aussi au sujet de Peter Pan, ou du moins de la création de Peter Pan. Mais voilà, j'ai vraiment envie de savoir, le résumé que je ne vais pas vous lire me fait très 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 envie. Voilà, ça parle de quelqu'un, alors le narrateur, qui un jour a aimé un garçon qui s'appelait Peter, et qui emmenait des gens avec lui dans The Other Place pour s'amuser, mais qu'en fait son idée de l'amusement était assez particulier, et qu'en fait Peter était, enfin, est une espèce de maniaque égocentrique, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, et que Peter est un gros menteur. Donc j'ai vraiment vraiment très très hâte de savoir ce qui se cache derrière. Je sais que Christina Henry a aussi fait The Little Mermaid, enfin en tout cas quelque chose autour de la petite sirène. Je suis un peu moins tentée, hein, mais je pense que en fonction de ce que donnera celui-là, je me laisserai tenter par la suite. J'ai aussi ajouté 2 livres à cette commande, parce que trop de livres, c'est jamais assez de livres. Vous avez sûrement entendu parler de Mortal Engines de Philip Reeves, alors peut-être pas sous cette forme là, mais tout simplement parce que une adaptation est sortie au cinéma il y a quelques temps. Voilà, alors je vous avais dit dans ma pile à lire que je l'aurais fini pour le week-end de, enfin pour la semaine de la fantasy, je pensais même l'avoir fini lundi, hein, pour vous donner une idée, nous sommes dimanche, et j'ai lu ça. Voilà, j'ai lu autre chose, mais j'aime beaucoup, hein, c'est pas le sujet, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps tout simplement. Donc en tout cas c'est une très belle lecture pour commencer 2019, j'aime beaucoup. Alors le film, Mélo l'a vu, et du coup je sais pas, enfin ce qu'elle m'en a dit ne me donne pas forcément envie de le voir, donc je verrai en fonction de ce petit livre. Et j'ai ajouté un dernier livre à ma commande, et il s'agit de Half Bad de Sally Green, que vous m'avez chaudement chaudement recommandé quand je vous ai dit que j'en avais marre des héroïnes badass et que je voulais un héros masculin. Donc merci à vous, c'est une lecture je pense que je vais beaucoup apprécier, voilà. Donc très très hâte de me lancer là-dedans, ce sera une lecture de 2019. J'ai profité d'une OP chez Kobo, oupsie, et j'ai acheté 13 livres. Alors pour ma défense, ils étaient à peut-être 99 centimes je crois. Alors pourquoi j'ai craqué? J'ai craqué quand j'ai vu que le tome 3 de Au Royaume était à 99 centimes, je me suis dit c'est pas possible. C'est un livre qui coûte je crois 20 ou 22 euros, qui n'est pas sorti en poche et qui ne sortira pas en poche avant longtemps, et j'avais beaucoup aimé le tome 2. J'ai craqué, voilà, je l'ai pris, je l'ai sur ma liseuse, je ne sais pas quand je le lirai, mais c'est sûr je le lirai. Et donc du coup je me suis dit tant qu'à faire, autant en profiter pour faire le plein, hein, et j'ai pris alors Champion and Prodigy, donc le tome 2 et le tome 3, ou dans l'autre sens, qui suivent Legend je crois de Marie Lu. Je suis pas trop sûre. C'est un livre que j'avais lu il y a quelques années, que j'avais bien aimé. Je m'étais dit si j'ai l'occasion je lirai la suite.
voilà l'occasion. J'ai acheté les 3 tomes de la trilogie Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh parce que j'ai acheté le don, le premier tome, en gros format il y a de ça bah, peut-être un an maintenant et je ne l'ai pas lu encore. Parce qu'il est gros, parce que j'ai peur. Je me suis dit, si je l'ai sur tablette, les 3 tomes, déjà ça me permettra de me débarrasser du tome 1 qui est en format papier, qui est énorme, qui prend beaucoup de place. Et ensuite, comme ça, j'ai la suite pour vraiment pas cher. J'ai également acheté un contemporain, c'est Comme si c'était toi, je vous mettrai la couverture. Je me suis dit, allez, une petite romance, une petite drame romantique. J'ai acheté aussi Bad Romance, je me suis dit, allez, une petite romance avec des ados, on est parti. J'ai acheté La Voix du Sang, le tome 1 de la saga Bloodsong. J'ai acheté La Moitié d'un Roi, qui est le tome 1 de La Mer Éclatée. Et j'ai acheté La Magie de Paris, le tome 1 de Olivier Guay, parce que j'en entends énormément parler, qu'il me faisait un peu envie mais pas trop, je me suis dit c'est l'occasion de tenter. Et ensuite j'ai acheté Avis de Tempête, le tome 1 des Dossiers Dresden, donc c'est de la fantasy, alors ça c'est peut-être plus du fantastique. Voilà, et j'ai aussi acheté, bon... Je vous le dis, 80 notes de jaune parce que j'ai lu 50 nuances de gris que j'ai plutôt apprécié et du coup je voulais voir un peu ben, un truc du même genre, voilà, pour voir, pour essayer de situer, pour comparer, pour tenter. Donc je verrai si je le lis un jour. Je vous assure qu'on est presque à la fin, c'est la dernière catégorie et il s'agit des livres que j'ai reçus pour Noël, des livres que j'ai demandé donc, et j'en suis super contente. Donc je vais commencer avec un livre que j'ai déjà terminé, il s'agit des Nuages de Magellan de Estelle Faye. On vous en parlera pour sûr parce que je l'ai tout simplement adoré et pour moi il fera partie, enfin en tout cas ce sera un de mes finalistes pour le Pélib 2019. Voilà, une superbe lecture, j'ai adoré. Il a pas fait un pli, hein. Nous sommes dimanche, je l'ai reçu vendredi soir. Ça se lit très vite aussi, mais vraiment super bien. J'ai aussi demandé un contemporain puisque ma grand-mère, avec qui je partage certains goûts sur les contemporains, notamment bah, Le Goût du Bonheur ou Kate Morton par exemple, m'a fortement conseillé de lire L'Amie Prodigieuse de Elena Ferrante. Bah du coup voilà, je l'ai demandé à Noël. Ça fait un moment qui me fait de l'œil parce que les couvertures des grands formats sont magnifiques. Je me suis dit on va se laisser tenter. Ouais, il me fait vraiment envie. Après là, je sais pas, c'est peut-être pas le moment pour moi de le lire. Je l'ai quand même emmené avec moi parce que c'est un poche et ça prend pas de place. J'ai aussi demandé et reçu pour Noël Shahara de Charlotte Bousquet, Les Masques d'Arskila, qui fait aussi partie de la sélection du Pélib 2019, qui est trop beau et que j'ai envie de lire depuis sa sortie. Voilà, c'est un livre comme Les Nuages de Magellan d'ailleurs qui coûte relativement cher et qui je pense est assez compliqué à trouver d'occasion, en tout cas ben, en Irlande hein, clairement. Donc voilà, je profite toujours de Noël pour faire le plein de ces livres un peu, ben, un peu chers et qui sont quand même trop beaux et que j'ai super envie de lire. Donc voilà, je suis très 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 reconnaissante. Mais ce n'est pas tout. Puisque dans le même genre, j'ai demandé Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, dont j'entends tellement tellement de bien et qui fait aussi partie des présélectionnés du Pélib 2019. J'ai très très hâte de me plonger dans cette lecture et je pense, je suis même quasiment certaine qu'il fera partie des finalistes, voilà, des miens en fait, de ma liste. J'ai très très envie de le lire. Il me fait super envie, il me fait de l'œil, voilà. Et Margot Liseuse l'avait dit hein, quand elle avait reçu le livre, son nom est écrit juste ici avec écrit. Si vous devez suivre une plume francophone, c'est celle-ci. Elle provoque quelque chose et résonne encore longtemps en nous, une fois le livre refermé. Ça me fait tellement plaisir d'avoir l'avis d'une booktubeuse, voilà, au dos d'un livre, c'est pas un journal ou quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, voilà, Margot Liseuse, bah, c'est une booktubeuse dont je suis souvent les recommandations et c'est grâce à elle que j'ai lu et que j'ai adoré Le Goût du Bonheur, donc je me fie assez souvent à ses avis et c'est vrai que je note assez régulièrement les livres qu'elle nous présente parce que... parce que j'aime bien tout simplement et voilà, Comment le dire à la nuit, je pense que c'est une lecture que je vais adorer. J'ai reçu également une bande dessinée et il s'agit de La Tour des Anges, le premier tome, donc bien évidemment il s'agit d'une bande dessinée adaptée de l'œuvre de Philippe Pullman, donc le deuxième tome de À la croisée des mondes. Vous savez, ou pas peut-être, à quel point j'adore Philippe Pullman, j'adore cette trilogie. À la croisée des mondes pour moi c'est une trilogie que je relis, que je relirai encore.
Et donc un ami m'a offert ce premier tome. Il y a trois tomes avant, hein, les trois tomes des Royaumes du Nord, mais voilà, il m'a offert le premier tome de La Tour des Anges que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Alors le style de dessin est pas forcément, pour les personnages en tout cas, ressemble pas forcément à ce que je m'attendais à voir, même si je suis très contente. Franchement, il y a des personnages, je me les représentais pas comme ça, mais je les aime beaucoup. C'est vrai qu'au niveau des traits, c'est pas ce que je préfère. Par contre, il y a certaines planches en termes de paysages qui sont juste magnifiques. Je peux pas vous les montrer parce que j'ai laissé la BD à Paris, je voulais pas l'abîmer pendant le voyage. Mais voilà, un très très grand merci. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment été gâtée pour Noël. Ça me fait tellement chaud au cœur et puis je sais que ça va être des lectures que je vais adorer. Donc voilà, j'ai déjà remercié bien sûr ma famille et mon ami, mais voilà, je suis très 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 reconnaissante pour ces belles lectures que je vais faire et qu'ils m'ont offertes. Sur ce, on arrive enfin à la fin de ce book haul. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. Si vous voulez des précisions sur les auteurs, les éditions, les prix, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Je sais que je ne les dis pas et que je devrais, mais je m'en rends toujours compte trop tard. Ou sur les, même sur les histoires, ou n'hésitez pas, voilà, vraiment à utiliser les commentaires, c'est là pour ça. Et puis je vais vraiment essayer de me calmer sur les achats dans les prochains mois. Je pense qu'en janvier, à part la BD que je vais recevoir, je vais être vraiment très occupée et j'ai déjà énormément de trucs à lire. Donc je vais essayer d'être vraiment plus raisonnable, ce sera une bonne résolution de 2019. À part peut-être pour les sorties, les seconds tomes, bon, voilà, pas les nouvelles sorties mais les suites de saga. Bref, on se trouve toujours des bonnes excuses, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite à tous et à tous de très 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 belles lectures et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.